J'étais un peu en retard parce qu'en fait, je faisais des trucs. Donc j'étais absent quelques heures avant de pouvoir faire cet épisode. Qu'est-ce que... Mon épée en bois! J'aurais dû me douter qu'il me l'aurait cassé, ce connard. J'ai appris l'honneur des enfants. C'est pratique d'être un loup, non? Ouais. Allez, à vite descendre avec les flèches. Tu commences à découvrir l'animal qui est en toi. Tu peux arrêter de rire, putain. Avec celui. Mais non, j'ai pas besoin de ça. Oh mon dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pont a disparu? Et comment on va faire? Tu peux plus traverser maintenant. Autant mieux, on va chercher un moyen de passer. Hé! Ouvre la carte du monde dans les menus. C'est plus joli qu'on nous trouve sur les cartes, mais vous savez déjà ça, hein? On a le symbole téléportation. Il indique un vide créé par une créature du crépuscule. Ça peut lancer là des portails. Retiens bien ce mot. La forêt que nous avons passée tout à l'heure, elle doit être par ici, pour vous emmener à un petit portail ouvert. Alors lequel tu choisis? Forêt de Firon End. Téléport. Maintenant on sort du monde du crépuscule. Alors, Timon est arrivé. Normalement, ce n'est pas si facile de sortir du crépuscule, alors un peu de reconnaissance, s'il te plaît. J'ai fait ma part de travail, à toi de faire la tienne. Trouve-moi un pont qui convienne et cherche bien. Même un gamin de 3 ans peut le trouver. C'est quoi ça? Mais ça m'a l'air d'être parfait. Qu'est-ce que t'en penses, l'essai? On le téléporte. Ouais, c'est bien, sois brave et obéissant, et tout ira bien. Gorge de cocorico. Le gorge d'un cocorico. Allez, vas-y, attaque téléport. Nous voici à la gorge de Cocorico. Alors, je savais bien. C'est pas tant, les pouvoirs des ombres sont impressionnants, tu trouves pas? Si tu veux que je t'aide, tu n'as qu'à m'appeler avec moi, tu devrais avoir au moins de difficultés à trouver les cristaux. Allez, on n'a pas le temps, dépêche-toi de te mettre en route. Ça marche, poulette. Et gros pédé! Tiens, tu l'as dans le cul. Ah oui, à moins de creuser. Qu'est-ce qu'ils font? Avec une porte aussi impressionnante, je vois pas l'utilité de mettre des gardes. Regarde, ça va pas le coup de creuser un peu. Regarde, l'oxygène. Vous devez vous sortir à la lumière.
car il ne faut pas rester trop longtemps dans le noir, sinon ça donne le cafard. Bien, et voilà. Voilà. Go, 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 et go! Je suis un poulet. Mais c'est le terre. Ah! Le monde des ombres, le crépuscule, a été changé en bête aux yeux saphirs. Par ici. Je suis un esprit de la lumière. Oh, toi, héros, élu des déesses, cherche l'essence de mon être, récupère la lumière que les villes, créatures des ombres m'ont volée. Place-la dans cet objet. Et encore un calice de lumière. Cherche un sec des ombres. Il résulte de l'union du mal et des fragments de la lumière. On ne crée plus si le monde des ombres s'insecte à l'instar des humains sont invisibles à l'œil nu. Une dernière force pour te révéler en quel lieu tu veux rester par de la lumière. Sur tes gardes, les agents des hommes cherchent à entendre. Si tu n'es pas l'esprit, on ne pourra jamais trouver le cristal d'or. Les hommes de la lumière m'importe peu. Et puisque je n'ai pas le choix, je vais t'aider. Ah ouais. Ah ouais, si je savais. Et plus que. Ah oui! Et regarde, on peut grimper par ici. Ah! Il y a quoi? Quelque chose. D'abord, j'ai fait une petite mise en vue. Zut et zut, je vois même plus ces sales monstres nord nulle part. À tous les coups, ils sont planqués quelque part et ils attendent qu'on sorte comme des pigeons. Nous n'avons rien à craindre tant que nous sommes ici, ne t'inquiète pas. Il faudra aussi le dire aux autres affreux dehors. Ils ont encaissé mes bombes sans brancher. Alors je sais pas combien de temps ça va tenir cette église. Y'a t'as un qui est quoi que c'est la fin? Quand la vieille boutique s'est fait attaquer par une de ces bestioles, tout le village s'est allé à son secours. Et là, non seulement il n'y avait plus de vieilles, mais il y avait une bestiole de plus pour les accueillir. Ce qui veut dire que s'ils nous attaquent, nous allons nous y être. Crâne! Crâne. C'est plutôt crâne ou cramé? Crâne! Voilà, venons cramé. Oh, et puis zut. De toute manière, mon père, ici, c'est pas plus sûr qu'ailleurs. Y'a pas un endroit où on pourrait se planquer. Y'a peut-être le sous-sol. Vite, comment on y entre ?